Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel dans After Effects. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut créer un carrousel à partir donc de ce logiciel et nous allons avoir besoin d'un plugin, oui, qui se trouve sur le site de Vidéo Copilote. Je vais vous envoyer sur ce lien qui se trouve dans la description. Donc vous allez être obligé de le télécharger ici. Il est gratuit, je précise bien, il n'y a pas du tout d'inscription à faire ni quoi que ce soit. Et ensuite, vous allez le récupérer donc dans le dossier téléchargement de votre PC. Comment installer donc ce plugin dans After Effects? Eh bien, je vais vous montrer comment je vais procéder. Alors déjà, vous dézippez le plugin premièrement. Donc vous faites extraire here. Voilà. Donc là, le dossier se trouve ici et on va faire un copier. Vous allez sur le disque C, sur Programme, sur Adobe et sur Adobe After Effects 2024. On va sur Profile, sur Plugin. Et là, vous voyez déjà là, VC Reflex, vous faites clic droit et vous faites coller. Vous ouvrez ensuite After Effects. Pour vérifier si le plugin est bien installé, vous allez sur Effets paramètres prédéfinis. Si vous n'avez pas la fenêtre, vous allez ici sur Fenêtre et Effets et paradis prédéfinis que vous cochez. Donc le plugin, c'est simple. Donc Vidéo Copilote, VC Reflex, donc il est bien là. Maintenant, si vous n'avez pas toute la liste qui est déroulée et que vous avez que ça, qui est, on va dire, que la recherche, vous marquez VC et là, ça va se mettre comme ceci aussi. OK? Allez, nous allons passer au tutoriel maintenant. Alors, nous allons commencer par une nouvelle composition. Et là, je marque image 01. Je reste donc 3840 par 3160, ou alors vous pouvez vous mettre en HD si vous le souhaitez. Moi, pour moi, je reste en 4K et 20 secondes donc en termes de durée. Je fais OK. Ce que je vais faire, je vais dupliquer donc cette composition 9 fois avec le CTRL D du clavier. Et encore une dernière. Voilà. Ce qui fait 10 images. Nous allons créer un nouveau dossier. On va le nommer image. Ensuite, on va cliquer droit et nous allons chercher donc des images. Majuscule, je maintiens et je sélectionne la dernière, importer. Maintenant qu'elles sont toutes sélectionnées, je le dépose dans le dossier. Parfait. Alors, on va commencer à mettre une image dans chaque composition. Bien sûr, on va les recentrer, donc on va les agrandir ou les rétrécir en fonction donc de la taille de l'écran. Donc là, je fais avec le S du clavier et je décide donc de l'agrandir un petit peu pour que ça prenne toute la taille de l'écran. Je vais faire ceci pour toutes les compositions. Et voilà, maintenant je ferme tout ceci, je vais garder simplement l'image 1. Même je vais fermer, je vais faire juste une nouvelle composition. Composition principale. Voilà. Et dedans, nous allons mettre l'image 1. Allez, je vais réduire cette image donc avec le S, donc je vais me mettre à 15%. Et ensuite, avec le P, donc position, je vais mettre ici en 3D pour faire apparaître donc la position 3D et je vais marquer moins 1000. Je clique droit nouveau et sur objet nul. Je renomme rotation. Très bien, que je mets aussi en 3D et ensuite nouveau caméra. Et là, je mets en 28 mm et je fais OK. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous allons dupliquer avec le CTRL D. Je duplique donc l'image 1 que je sélectionne et ensuite je vais sur l'image 2. Avec la touche Alt que je maintiens, je tire donc l'image 2 sur l'image 1 qui était dupliquée et je lâche tout. Ensuite, ici,
je vais prendre l'escargot de l'image 01 et je vais le mettre directement sur rotation. Je vais faire le R sur rotation et sur le Y ici je vais marquer 36. Alors pourquoi 36? Parce que on va faire un tour de 360 degrés et j'ai 10 images. Donc si je calcule 360 que je divise par 10, ça me fait 36 degrés. Donc sur chaque image en rotation, je vais mettre 36 degrés donc sur le Y. Donc là, je marque 36 entrées. Donc là, vous voyez, on voit l'effet se créer. Donc maintenant, je duplique l'image 2. Donc CTRL D, je sélectionne donc la duplication. Je prends l'image 3. Avec la touche Alt, je maintiens. Je tire l'image 3 sur l'image 2 de la duplication. Je lâche tout. Je fais ici sur l'image 2, je prends l'escargot, je l'étire sur rotation. Et là, sur le Y, je sélectionne ici, donc je mets un complément, un plus et un 36. Entrée. Et là, vous voyez qu'on a le carrousel qui est en train de se créer au fur et à mesure. Et je vais continuer comme ceci, donc en dupliquant, en sélectionnant la duplication, en allant chercher l'image 04. Avec le Alt, je maintiens, je tire le 04 sur l'image 03 dupliquée. Je lâche, je vais chercher l'escargot de l'image 03 que je mets sur rotation. Je vais sur l'Y, je vais ici mettre plus 36, entrée. Et je vais continuer comme ça jusqu'à la dixième et je vous reprends après. Voilà, donc là je suis à la dernière. Hop, je fais rotation, je continue, je marque plus 36. Et pour la dernière, je reprends l'escargot, je le tire sur rotation et je marque ici plus 36. Voilà, nous venons donc de créer le carrousel et nous allons passer maintenant à l'action suivante et qui va être la préparation des keyframes pour l'animation de sa carrousel. Alors, pour l'animer, on va revenir sur rotation. Et nous allons faire en sorte de faire. Donc, déjà ici, on va mettre à 0. Donc, sur rotation, puisqu'il était marqué 1, puisque ça avait fait le calcul des 36 degrés. Donc, on va refaire la même action, mais avec les keyframes. Alors, déjà, premièrement, on va faire une première clé. Et on va se mettre à moitié à peu près, on va se mettre à 1/15. Voilà, donc à 1/15. Et là, on va marquer 36. Entrée. Et après, on avance à 2. Voilà. Et là, on refait une clé à 36. Ce qui veut dire que ça va créer un temps de pause, comme ceci. On va refaire la même action. On va se mettre ici à 3/15, d'accord, et là on va faire plus 36, entrée, et là on va se mettre à 4 secondes et on recrée une clé. Je recommence, je vais me mettre ici à 5/15 à peu près, voilà, et je refais ici, donc je resélectionne plus 36, entrée, je reviens à 6 secondes. Et là, je refais une clé. On va voir déjà comment ça va. Ouais, c'est pas trop mal. Vous voyez? Donc, je continue. Donc là, je mets à 7/15. Hop, et je fais plus 36. Je vais jusqu'à 8. Et là, je fais une autre clé. Je continue à 9/15. Voilà, et là je marque plus 36. Donc, on refait la même action, sauf que là c'est avec vraiment les keyframes. Comme ceci, et là on va marquer plus 36, donc ça va revenir sur la première image qu'on avait de départ, et ça s'arrête là. On va tout sélectionner et on va faire un F9 pour tout lisser.
Maintenant, on voit le résultat. Et maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, on va donner cet effet de reflet. Donc, l'effet de reflet, eh bien, va se faire par le biais du plugin que vous avez installé au départ. Donc, on va aller le chercher, soit ici, vidéo copilote, comme ceci, VC reflet. Et on va le mettre directement sur image 01. Donc, on le prend, on glisse et on va le déposer directement sur image 01. Donc, l'effet se trouve ici sur la gauche. Et nous allons ici sur réflexion distance, on va mettre 50%. D'accord ? Alors, on va juste descendre un petit peu. Voilà. Ensuite, concernant sur l'opacité, on va mettre à 50% aussi. Et puis ensuite, sur le flou, on va mettre ici à 5%. Voilà, c'est pas mal. Si vous voulez mettre moins, on peut mettre moins, 4%. Voilà, 4%, c'est pas trop mal. Alors, ce que nous allons faire, on va faire un copier-coller. Donc, on va copier comme ceci. D'accord. Et ensuite, on va sélectionner image 10 jusqu'à l'image 2. Et avec le clavier, vous faites CTRL-V pour coller justement l'effet pour toutes les images. Alors, on va juste avancer un petit peu le curseur. Et normalement, tout va s'activer. Voilà. Le temps que ça calcule, c'est un peu normal que ça mette du temps à apparaître. Et voilà. Donc là, vous avez l'effet. Alors, on va créer, bien sûr, un fond. Donc ce fond, on va faire avec un nouveau solide. Bien sûr, on va le mettre ici. Là, on va faire ajuster. Et là, on n'est pas trop mal. Par contre, ce qui se passe, c'est que vu que j'ai une grande taille, eh bien, je vais créer ici image 10 majuscule jusqu'à caméra. Clic droit, je vais faire une précomposition. Voilà. Donc là, je vais marquer carousel. Et ce que je vais faire, je vais tout simplement avec le scale, on va avancer comme ceci pour donner l'effet. Voilà. Ce qui veut dire que si on se remet là ici à 0, eh bien on voit l'effet. Alors la couleur, éventuellement, vous pouvez la changer. On peut très bien aller chercher dégradé. On va aller sur teinte ici. Voilà, donc là on est sur teinte, donc là vous voyez, ça va donner un effet un peu plus sympathique, ça fait un peu plus glossy. Donc si vous voulez donner un peu plus de gris ou moins de gris, voilà, et là ça peut donner vraiment un effet sympa. Donc vous voyez avec le scale comme ça, et là vous pouvez après mettre un titre. Maintenant, nous allons exporter eh bien, ce projet final, donc fichier, exporter, ajouter à file d'attente. Vous vérifiez bien le modèle de sortie. Donc là, c'est bien sûr du H264. Donc je vérifie, je fais OK et ensuite je définis eh bien, là où je veux mettre mon dossier. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.